important dans la vie de notre école. Tout d'abord, nous souhaitons rendre hommage aux natifs du mois d'octobre et de novembre. Et deuxièmement, nous aurons à participer à l'un des événements le plus crucial dans la vie de l'UNA, c'est bien les élections. Et tout de suite après, ce sera le tour de la FSI dans une comédie musicale tout à fait spéciale. Mesdames et messieurs, étudiants et étudiantes des différentes facultés, apprêtez-vous à participer à une séance de chapelle tout à fait extraordinaire. Ainsi, mesdames et messieurs, nous allons accueillir la rentrée des natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASACO. Les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASACO, suivis des natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASPA. Ensuite, FAT, nous recevons les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASACO. Les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASACO, nous prions à ces natifs de nous retrouver sur la chaire. Les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASACO. Les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASACO. Les natifs du mois d'octobre et de novembre. Ok, nous recevons maintenant les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FASPA. D'octobre et de novembre de la FSI. Les natifs du mois d'octobre et de novembre de la FSI.
Merci bien. Un seul couplet au numéro 24, bien avant la prière. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens, c'est les bons en tous lieux. On se met debout. Inclinons pour la prière. Remercié sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu, pour la manifestation de ton amour dans notre vie de chaque jour. Merci de nous donner l'occasion de participer à cette séance de chapelle qui se veut une séance de chapelle tout à fait spéciale et extraordinaire. Donne-nous de passer un très bon moment en ta présence, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Le plus grand et le plus beau jour de la vie d'une personne demeure celui au cours duquel elle est parvenue à l'existence. Pourtant, elle l'ignore tandis que les autres se mettent à célébrer son entrée triomphale dans le château exceptionnel de la nature, la bienveillante, la souriante qui reçoit toujours avec joie et sublime acclamation. Il s'agit de l'un des événements les plus spéciaux de la vie. Justin Gardner déclare avec raison: naître, c'est recevoir tout un univers de cadeaux. Naître, c'est recevoir tout un univers de cadeaux. Un petit peu plus loin, Paul Carvel a ajouté: vivre la naissance d'un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du mot miracle. Pour celui-ci, la naissance d'un enfant demeure un miracle. Chers natifs des mois d'octobre et de novembre, la grande famille de l'Université Adventiste d'Haïti se sent on ne peut plus heureuse de vous accueillir hic et nunc dans l'enceinte de l'auditorium Michel Toussaint afin de vous rappeler que vous avez du prix aux yeux du Maître Créateur, l'Éternel des armées. Votre existence a commencé au jour de votre naissance sur cette terre.
Votre existence qui a commencé au jour de votre naissance sur cette terre n'est ni ne saurait être le fruit du hasard. Dieu l'a voulu et l'a planifié ainsi. Le meilleur cadeau que la grande famille de Luna puisse vous offrir aujourd'hui est ce chant qui vient du tréfonds de son être. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse. On va avoir un morceau instrumental en guise d'une note de gaieté, tandis que les représentants de chaque décanat vont épingler les fêtants. Nous demandons aux personnes qui ont été choisies pour cette note de bien vouloir exécuter la note. Thank you.
merci. Nous allons avoir une prière spéciale en faveur de ces natifs. Et cette prière sera faite par le pasteur Marcel Mercier, à qui nous demandons de nous retrouver sur la chaire pour offrir cette prière en faveur des natifs. Et tout de suite après cette prière, nous passons rapidement à la deuxième phase de cette séance de chapelle qui s'appuiera sur les élections du congé UNA. Bien, nous demandons aux natifs, autant qu'il est possible, qu'ils se mettent à genoux pour cette prière. Et ceux qui sont dans l'Assemblée, nous leur demandons de prendre une attitude révérencieuse. Nous allons prier le Seigneur. Les natifs, on se met à genoux. Que le nom de l'Éternel soit béni, d'éternité en éternité, pour la manifestation de son amour envers l'Université Adventiste en général, envers chaque étudiant, spécialement envers ce bouquet de jeunes qui fêtent son anniversaire. Merci Seigneur pour la sécurité que tu nous as donné pour être là en cet après-midi. Nous considérons cela comme un miracle, la manifestation de tes compassions envers nous. Et c'est pourquoi nous voulons bénir ton nom pour cela. Mais spécialement, nous élevons ces jeunes qui fêtent leur anniversaire. Ils comptent des années dans leur vie. Et ces années-là constituent le témoignage que tu as été avec eux depuis leur naissance jusqu'à présent. Tu connais chacun et tu connais le problème auquel il ou elle fait face. Nous te demandons, tendre Père, d'intervenir dans leur vie et de donner la solution qu'il faut à leurs problèmes. Merci de nous écouter, Seigneur, et de continuer à être avec eux dans leur vie, de leur permettre d'avoir les moyens de continuer à rester à l'université pour terminer leurs études. Merci de nous écouter et que ta paix et ta grâce se reposent sur eux et que ta paix et ta grâce se reposent sur chacun de nous. Que ta paix et ta grâce se reposent sur l'UNA. Nous te remercions, nous te prions au nom de Jésus. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Nous avons des annonces à votre attention. Et la toute première annonce nous vient de la commission d'organisation du programme Hommage aux étudiants de l'UNA. Et pour ce faire, je laisse le soin à l'étudiante Ninote de passer pour nous l'annonce qui a été préparée en cette circonstance. Un hommage, un moment pur. Créons des souvenirs. Jeunes esprits bâtisseurs, saluons vos ardeurs. Un hommage, un moment pur. Créons des souvenirs pour et avec les architectes du futur.
Jeunes leaders, vos pas résonnent dans l'écho du lendemain. Vous façonnez notre bonheur, pierre après pierre, main dans la main. Le 10 décembre 2024, c'est pour vous, bâtisseurs d'idéal, ici à l'Université Adventiste d'Haïti, vos admiratrices vous recevrez un hommage, une promesse. Au programme, chants spéciaux, comédie musicale et hommage spécial à vous, vaillants héros. Chers messieurs, messieurs, rejoignez-nous. Célébrons ensemble vos rêves, votre vision, vos succès et vos projets. Des souvenirs pour et avec les architectes du futur, ce 10 décembre 2024, un rendez-vous à ne pas manquer. Merci, merci. Nous allons céder le micro au vice-recteur aux affaires étudiantines de l'Université Adventiste d'Haïti, qui aura à présider cette deuxième phase dans le cadre de cette séance de chapelle spéciale. Mais nous voulons annoncer à tous les candidats qui se trouvent au dehors de s'apprêter à faire leur entrée. Je reprends. Tous les candidats qui se trouvent au dehors, nous leur demandons de faire leur entrée. Les candidats, et nous voulons commencer par le candidat représentant la faculté. La faculté des sciences infirmières à faire son entrée, s'il vous plaît. Le représentant de la faculté des sciences infirmières. Sciences infirmières. Nous poursuivons avec le représentant de la faculté des sciences administratives et commerciales, dit FASACO. Mes chers amis. Thank you.
recevons, nous bénissons. Nous recevons maintenant. Nous poursuivons et nous recevons maintenant le représentant de la faculté des sciences paramédicales. FASPA. Nous recevons maintenant le représentant de la faculté de théologie. Sous l'applaudissement de tout un chacun. Nous recevons le représentant de la faculté de théologie. Maintenant, le tour de la faculté de génie et de nouvelles technologies, FAGENT. Le représentant de la FAGENT, faculté de génie et de nouvelles technologies. C'est maintenant que s'amène le président, le candidat de la faculté de théologie. Merci bien.
le représentant de la faculté de génie et des nouvelles technologies se fait briller par sa non-présence, on dirait. Où est le représentant de la Fagent? Ok. Et nous poursuivons. Et c'est la toute dernière entrée. Nous recevons le représentant de la faculté des sciences de l'éducation des lettres et des arts. Nous demandons au représentant de la faculté de la FASOLA de se présenter, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci, merci. Ainsi, nous vous laissons avec le vice-recteur aux affaires étudiantines de l'Université Adventiste d'Haïti. Merci. Rassoyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons pouvoir accueillir maintenant les candidats. Tous ne vont pas prendre la parole en ce jour. Tous ne veulent pas prendre la parole en ce jour. Nous avons d'abord le représentant de la faculté des sciences de l'éducation, des lettres et des arts qui va s'adresser à toute la communauté étudiantine. Il va présenter sa politique générale en 4 minutes. Chaque représentant aura 4 minutes pour présenter leur politique générale, pour présenter leur plan. Je ne vais pas citer de nom à chaque candidat de se présenter, à chaque candidat de se vendre, de vendre son programme. D'abord, le représentant de la faculté des sciences de l'éducation des lettres et des arts, ensuite le représentant de la faculté de théologie,
Enfin, le représentant de la faculté des sciences administratives et commerciales. Merci. Chers étudiants, bonsoir. C'est avec un immense honneur que je vous annonce la prise de parole de notre candidat à la présidence du comité général des étudiants de l'Université Adventiste d'Haïti, représentant la faculté des sciences de l'éducation, des lettres et des arts, Peterson Pascal. Mais qui est ce monsieur si honorable? Peterson Pascal est un étudiant en quatrième année des sciences expérimentales à la faculté des sciences de l'éducation, des lettres et des arts, qui est aussi étudiant à la faculté franco-haïtienne où il étudie la psychologie. Il est un entrepreneur dynamique, formateur en chimie industrielle et sérigraphie. Il est également fondateur de l'Association des jeunes socialistes de Carrefour. En tant que directeur de jeunes, chef guide, leader de jeunesse et membre de l'ASPEC, ce candidat incarne les valeurs de notre institution. Excellence, solidarité et intégrité. Avec vous, mesdames et messieurs, le président au nom, le futur président de l'Université Adventiste d'Haïti. Aux membres du conseil d'administration, membres du rectorat et des différentes branches administratives des différentes entités et services de l'Université Adventiste d'Haïti, UNA, en votre nom et qualité, vous les aînés, alumni, camarades étudiants, mes proches collaborateurs et amis, nous vivons une ère nouvelle, le temps où les efforts, les idées pour consolider et perpétrer nos valeurs autour de la vision même de notre alma mater est sine qua non. L'urgence de s'unir nous-mêmes, étudiants, aspirants comptables, gestionnaires, infirmières et infirmiers, mes amis des branches paramédicales, les génies informaticiens, nos futurs bergers, les théologiens, autour de l'ultime et même mission qui est de nous préparer au service de la patrie et du monde. Par ces entrefaits, il est plus que nécessaire de remémorer les années de gloire de l'UNA, à l'époque où l'UNA était le top des universités. Il suffit d'un coup d'œil sur les milliers de cadres formés, la foi où l'UNA était plus qu'une référence, mais la référence. Par sa vision christocentrique, son navré de paix, le campus de l'UNA durant ses 103 ans. Le COGE UNA, par ses activités socio-éducatives exquises, gravait dans les cœurs des souvenirs immortels. En remémorant les temps passés, nous devons apprendre de nos prédécesseurs et comprendre la nécessité de nous unir, étudiants de l'UNA, tant par notre attachement à notre université, notre faculté et notre mission de servir. En convergeant notre force, nos idées et la culture de l'entraide, afin de réaliser les projets que nous avons pour l'université. Votons oui, oui à nos programmes qui touchent les grands axes de développement, tant personnel et collectif, de chaque étudiant
et à la pénalisation des valeurs de l'UNA. Tel que Forum de l'UNA, oui. Atelier professionnel de l'UNA, oui. Génie de l'UNA, oui. Comité de préservation de l'environnement de l'UNA. Formation en canevas. Formation en sérigraphie. Formation entrepreneuriat et création d'entreprise. Table ronde et moments de réflexion. Championnat de football. Championnat de basketball. Et les filles, championnat de volleyball. À la Doux Refuge, concours de natation. Journée récréative. Retraite spirituelle. Et gala de fin d'année. Pourquoi ne pas s'entendre pour que l'UNA soit le navré de paix, l'espace où l'étudiant puisse s'épanouir et se développer. Monsieur le recteur de l'université et collaborateurs, chers camarades étudiants, oui, il est essentiel de prioriser les forces de caractère les plus nobles, une vision enrichie, un homme qui croit dans le dialogue, l'entraide et la discipline et le respect de nos valeurs. Un étudiant conscient des besoins, un visionnaire, un serviteur. Comme a dit La Rotse, la meilleure façon de diriger est de servir. Surtout, il faut se fier à l'expérience et au sens du leadership. Un leadership inspirant, communiquant auprès des élèves du Collège Adventiste de Dikini, étant comme organisateur d'activités socio-culturelles. Monsieur le recteur, les administrateurs de l'Université Adventiste, vous étudiants et amis, oui, je veux reprendre volontiers mot pour mot les dires de John C. Maxwell. Un leader est celui qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Étudiants de l'UNA, la voie du service s'ouvre à nous et je dis oui. Je m'offre à vous comme intermédiaire, gardien de vos intérêts, à l'écoute de vos besoins. Je m'engage à répondre à l'apôtre Paul. Je suis prêt à vous représenter de tout mon cœur, comme a dit l'apôtre Paul, à tout faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme sur cet appel, je suis prêt à représenter l'ensemble des étudiants de l'UNA et servir de tout mon cœur l'université. Oui, nous sommes l'UNA, le roseau qui épouse le sens du vent lors des tempêtes. Merci. Mesdames, Messieurs. J'ai regardé ma montre, pas pour compter les 4 minutes, mais pour constater que l'heure est arrivée.
Madame la foule et monsieur tout le monde, bonsoir. Je comprends que l'heure est arrivée. Il est temps d'avoir une communauté étudiantine standardisée. Nous pouvons influencer pas mal de choses en compagnie de l'administration de l'UNA. Il est temps d'avoir des toilettes en bonne et due forme à notre disposition. Peu importe le lieu où nous suivions les cours. Il est temps que les laboratoires ne soient plus en devenir. Elles sont si importantes pour les sciences médicales et paramédicales. Nous pouvons nous aussi parler de congrès d'étudiants et être connectés aux personnages importants de notre domaine ici en Haïti. Le moment est venu d'apporter nos supports et nos touches pour une infirmerie mieux équipée et plus attrayante. Je veux les faire avec vous. Je veux les faire avec vous et pour vous, étudiants, étudiantes de l'UNA, avec le support de l'administration. Je dois vous dire sans embâge que ce ne sont pas les moyens qui vont apporter les idées. Mais les idées vont apporter les moyens. Les idées vont apporter les moyens, et pas seulement mes idées, mais aussi vos idées. Au choc des idées jaillit la lumière, une lumière qui éclaire notre présent qui détermine notre avenir. Administrateurs, administratrices de l'UNA, chers confrères de la théologie, chers amis de la FSI, chers amis de la FASPA, chers collaborateurs et collaboratrices de la FASACO, de la FASELA, de FADJET, il est temps de travailler sur une nouvelle vie étudiantine sur ce campus. Je crois dans la valeur de chacun de vous ici et je suis prêt à vous représenter devant l'administration. Ce que moi, Jean-Gerby Charles, désire, ce n'est pas uniquement un titre, mais servir la communauté étudiantine. Et puisque ce titre est important pour avoir l'autorité de mieux servir, je vous encourage de voter Jean-Gerby Charles comme président du congé UNA et crions vive la communauté étudiantine de l'UNA parce qu'il est temps. Il est bien temps. Merci. Monsieur le recteur, Madame, Messieurs les vice-recteurs, distingués doyens, chers professeurs, Mesdames, Messieurs, étudiants et étudiantes de l'UNA, bonsoir. UNA, bonsoir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, animé d'une ambiance sincère. C'est le devoir de notre université non seulement prospérer, mais aussi devenir un modèle d'excellence académique, d'inclusion et d'innovation. Je suis ici parce que je crois profondément que nous, étudiants et étudiantes, sommes l'artisan du futur de notre chère institution. Un avenir où chaque voix compte,
où chaque faculté est valorisée et où chaque initiative contribue à notre rayonnement collectif. Une fois président du COGEUNA, voici les principaux axes que mon équipe et moi nous engageons à défendre. D'abord, l'amélioration des conditions sanitaires. Notre université mérite des infrastructures modernes, sûres et accessibles à tous. Mon engagement est clair. Collaborer avec l'administration pour créer des espaces d'hygiène publique qui répondent aux normes de salubrité et reflètent le prestige de notre institution. Ensemble, nous ferons de l'UNA un espace où la santé et le bien-être des étudiants sont une priorité. Deuxièmement, la promotion de la vie associative et culturelle. Je m'engage à promouvoir des événements qui célèbrent notre culture, notre histoire, nos valeurs et nos talents. Concerts, conférences, galas, activités sportives, tout sera mis en œuvre pour renforcer notre unité et notre fierté commune. Troisièmement, soutien à l'entrepreneuriat étudiant et à la préparation professionnelle. Mon équipe mettra en place des ateliers de formation, des espaces d'innovation et des programmes pour aider chaque étudiant à concrétiser ses idées, à se préparer pour le marché du travail et à devenir des leaders de demain. Pour finir, un engagement ferme envers l'équité et l'inclusion. Notre diversité est notre richesse. Notre diversité est notre richesse. Chaque faculté, que ce soit la FSI, la FAT, la FASOLA, la FAGET, la FASPA ou la FASACO, mérite la reconnaissance et le respect. Je travaillerai pour que toutes les voix soient entendues, que toutes les initiatives soient soutenues et que personne ne soit laissé de côté. Chers collègues et camarades, je ne suis pas ici pour vous promettre l'impossible, mais je suis ici pour proposer une vision claire, un chemin réaliste et collectif. Ensemble, nous pouvons bâtir une université à l'image de nos rêves et de nos aspirations. Faites-moi confiance et donnons-nous cette chance de construire un avenir meilleur. Votez Maud Sterling-Cornet pour un COGEUNA qui vous ressemble, qui vous rassemble, qui vous écoute et qui agit pour vous et avec vous. Jésus est notre avocat auprès du Père. Je serai votre avocat auprès de l'administration. Que Dieu bénisse l'UNA. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. Les différents candidats. La période de campagne est ouverte et nous avons toute cette semaine pour les campagnes car mardi prochain, si Dieu le veut, nous reviendrons dans ce même espace
pour choisir notre président, notre vice-président, nos secrétaires, notre trésorier et notre responsable de relations publiques. Que le meilleur gagne. Ils sont priés de rester après la chapelle, tous les étudiants. Ils sont priés de rester après la chapelle, tous les étudiants, tous les garçons de l'UNA. Merci, on se met debout pour la prière. Remercié sois-tu, éternel notre Dieu, de nous avoir permis de réaliser cette séance de chapelle combien spéciale. Merci d'avoir permis à chaque candidat de présenter leur politique générale. Merci d'avoir permis à l'aumônerie, l'administration en particulier, d'honorer les natifs du mois d'octobre et de novembre. Et maintenant, nous te demandons de continuer à veiller sur nous et que tu nous donnes de comprendre que cette auquel soit la gloire et l'honneur, la magnificence dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Nous demandons à tous les étudiants,
tous les jeunes hommes de rester pour nous, s'il vous plaît. Nous demandons aussi à toutes les étudiantes. Les étudiants, tous les jeunes garçons, les jeunes hommes, de rester pour nous, s'il vous plaît. Qui souhaite mener président